L'année dernière, on a été primé pour Proxima Mobile, c'est-à-dire que il fait que le gouvernement, le ministère de l'économie numérique avait lancé un appel à projet pour le développement d'applications utiles aux citoyens. Donc en fait, le challenge, c'était de porter ce qui est fait sur le site web dans le monde mobile. Donc il y avait tant d'applications à sortir, un site internet mobile et tout ça. Donc ça, c'était en soi, c'était un challenge qui m'a beaucoup plu. Et puis il y a eu une rencontre avec SFR et une société d'innovation Faber Novel qui avait un projet similaire au nôtre qui a également été récompensé par l'appel à projet Proxima Mobile. Et je les ai rencontrés et on s'est dit bah, pourquoi pas réunir nos forces pour pouvoir ensemble développer des applications. Et donc très vite, on a été en lien avec l'association Mobile en Ville qui était à l'origine du projet, côté SFR. On s'est réunis tous ensemble pour faire la meilleure application possible. Donc ça a évité de faire deux applications concurrentes. Et donc là, c'est vraiment formidable parce qu'on a uni nos forces pour développer des outils le plus efficace possible pour les personnes à mobilité réduite.